Salut à tous, c'est Fripon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de vos niveaux sur Super Mario Maker. Avant de commencer, une petite précision. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, parfois vous pourrez avoir les épisodes en avance, comme ça a été le cas pour l'épisode 42 que j'ai mis pratiquement 2 jours en avance par rapport à sa sortie sur YouTube. Alors faut savoir que des fois je tourne les épisodes assez rapidement les uns après les autres, mais comme je veux un petit peu étaler les sorties sur YouTube, je mets en général les vidéos en non répertorié. Mais quand je les mets en non répertorié, je les mettrai certainement à disposition sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que je les mette en public sur YouTube 1 ou 2 jours après, histoire que ce soit régulier au niveau des publications sur YouTube. Voilà, rapidement, je vous expliquais ça. Maintenant, on passe à Imaniac, le deuxième niveau que je fais d'Imaniac, qui propose Speedrun P-Switch. Donc tout est dit dans le titre. On va commencer par du Speedrun. Ça fait longtemps. Là, va falloir être concentré là. J'ai voulu aller trop vite, mais c'est du speedrun aussi, hein. Donc il faut pas traîner. Par contre, je suis bête. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu continuer en haut. Ok, ok. Allez, on va faire ça. Voilà. Hop, on fait comme ça. Ce qui est dur, c'est qu'on sait pas trop ce qui nous attend, donc on y va un peu en mode YOLO. Concentration, concentration. On reste concentré, les gars. Vite, laisse-moi passer, toi. J'ai pas compris où il fallait passer, là. N'importe quoi. Ah, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. On va faire comme ça, regardez. Laisse-moi passer. Vite. Vite. C'est tendu, hein. Ah, mince. Oh là là, ça s'est joué à 1/10. Oh, c'était parfait là. Ok, ensuite. Ok, ok. Ok, ok, alors attendez, attendez. What? Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, attendez, attendez. Je suis revenu au début. Et si je vais là? Ok, on va voir. Hein. Ah, c'était là, d'accord, c'était là. Alors, attendez, attendez, attendez. Ok, il faut rebondir sur les boulets de canon. Allez, on y va. Ok, ensuite on fait comme ça. Mais pourquoi j'ai pas fait la pirouette? C'est pas grave, il y a le checkpoint. Ça, c'est une bonne nouvelle. On refait. Et là, j'ai voulu encore refaire la pirouette. Enfin, j'ai fait exprès. J'ai même pas activé le P-switch. Où est-ce que je dois aller là? Ah d'accord, faut que j'aille sur les lianes. D'accord, j'ai pas vu les lianes en haut. Donc les lianes. Ok, ça passe. Ensuite. Ok, on fait comme ça. Ok, ensuite on fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. On prend le tuyau. Concentration maximale. Autre checkpoint. Ok. On fait comme ça. On fait comme ça. Il faut avoir le bon timing là. Hein. Non, j'ai pas eu le bon timing. Donc suicide à moins que. À moins que. Eh, regarde! On peut gruger! Ça permet de voir un petit peu aussi les failles du niveau. C'est pas mal. Toi. Ça s'appelle comment déjà ça? Mince, en plus on m'a dit dans les commentaires comment cette plante noire s'appelait. Ok, bon, la troisième partie était la plus facile je trouve, notamment parce qu'on pouvait gruger. Bon petit moment de pression, merci de l'avoir partagé. On enchaîne avec Resh qui propose Snow version 1.2, je me rappelle de la version 1.
que j'avais fait dans l'épisode. Épisode combien? Épisode 35, il me semble, celui qui durait plus d'une heure. Et donc, on va voir ce que nous réserve cette deuxième version de Snow. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai cru qu'on pouvait faire du wall jump. J'ai craqué complètement là. Ok. Allez, amène-toi, amène-toi. Hop, et voilà, je te saute. Elle est pas belle la vie? J'attends que, voilà, le bout à gauche, à droite, pardon, fasse son apparition. Donc cette fois-ci, si j'ai bien compris, il y a des pièces rouges à collecter. On va faire comme ça, voilà. Ensuite, on fait comme ça. Bon, pour l'instant, ça va pas mal. Je me rappelle ce passage, j'avais galéré avant en plus. Bon, Yoshi qui est mort, ça aussi, je m'en rappelle très bien. Hop, on va pas mourir là, on va pas mourir, voyons. Il y a peut-être plus de billball aussi, hein. Ah ouais, ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui. En plus, les billes rouges me suivent, donc faut pas que je traîne. Je sais pas ce qu'il y a en bas. Et en bas, il y a des pièces rouges, les gars, regardez. Je sais pas si vous avez vu, ouais, là. Je vais quand même aller à droite. On fait gaffe de pas se faire écraser non plus. Ah non, je crois qu'il y a rien. Ouais, ok, il y a rien ici. Donc, faut descendre en bas. Je sais même pas... Waouh! Oh, d'accord, je savais pas pourquoi j'ai couru comme ça. Alors là, je vais pas la même erreur, on va tomber ici. Est-ce qu'il y a un truc dans le tuyau? Je tente. Ouais, on peut. J'ai un peu peur. Ah, d'accord, donc c'était pour une pièce rouge, il en reste deux. Ok. Ouh, d'accord, je t'avais pas vu, toi. Wow. Oh, j'ai eu de la chance, il a été tué par le bloc de glace. Ok, ça devrait passer. Oh, attention, c'est très dangereux, en fait, ces blocs de glace, hein. Allez, j'y vais. Ah, ça devrait être bon, là. Oui, 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 oui. Ouf. Non, pas mal, cette deuxième version. Plus complète, parce que il faut récupérer les pièces rouges. Il y a un peu plus d'exploration. Le niveau est toujours aussi bien décoré. J'ai bien aimé. Merci, Rej, de l'avoir partagé. On passe à Haroun qui propose UEFA Euro 2016 France Football. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, malheureusement, la France a perdu. Donc ce niveau, il est triste maintenant. Il l'avait proposé, ouais, le 29 juin. Ouais. Alors, on va tester. On va voir ce que c'est. J'ai cru reconnaître un stade sur la minimap. Ça, est-ce que ce serait pas les supporters, ça, qui sont dans les tribunes? C'est possible, hein. Ils sont pas contents, les supporters. Ils balancent des clés anglaises. On va se barrer d'ici. Mmh. 1-0. Ah, d'accord, d'accord. En fait, t'es en train de mettre les scores de la France, c'est ça? C'était quoi le premier match de la France? C'était pas l'Albanie? Non, c'était pas l'Albanie, c'était pas l'Albanie. C'était quoi? C'était Roumanie, Albanie, Suisse, le groupe, hein. Ça devait être la Roumanie. Là, il y a écrit quoi, là? Mince, j'ai pris les pièces, j'ai pas vu. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Oui, on peut rentrer, voyons voir. Victoire! Et oui, ça aurait été joli, hein. 2-0. Alors, par contre, on a gagné 2-0 contre l'Allemagne. On a gagné 2-0 contre l'Allemagne, ça je suis d'accord. Mais en plus, le niveau, tu l'as fait avant, l'Allemagne. Je crois que tu parlais peut-être de... Est-ce qu'on a gagné 2-0 contre une autre équipe que l'Allemagne? Je suis pas sûr, hein. Bref, merci pour cette nostalgie, Haroun. J'ai reconnu quelques clins d'œil, peut-être que j'ai mal interprété. En tout cas, je te remercie de l'avoir partagé. On passe à Hugo Maker qui propose Mario Kart, Mario Circuit 8 bits. Là, tu me fais plaisir, Hugo. Faut savoir que j'ai beaucoup joué à la licence Mario Kart, donc forcément, ça fait plaisir. Et on est parti, j'ai vu 19% de taux de réussite. Normalement, on se le fait en un seul coup. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah, je crois que je l'ai vu. Énorme, énorme. Les sonorités sont énormes. Je crois par contre que je l'ai vu dans un concours organisé sur JVC par Lord Zeta et d'autres testeurs. Qui en fait chaque semaine... Oh, je suis pourri. J'avais dit en un coup.
Ouais, il y avait un concours sur JVC. Chaque semaine, les membres JVC proposaient des niveaux. Et il y avait une équipe de testeurs qui donc, testaient les niveaux. Et à la fin de la semaine, faisaient un classement des meilleurs niveaux. Et je me rappelle très bien avoir vu celui-là. Bon, trêve de bavardage. Concentrons-nous cette fois-ci. Oh là là, c'est génial. Ça, c'est des niveaux, je m'en lasse pas. Par contre, faut que je saute un peu plus loin. Voilà. Regardez, c'est les bruitages sonores qui sont géniaux. Alors, je prends. Là, je me laisse aller. J'ai l'étoile. Ouh, ça va vite, là. Ouh, ça va vite, là. C'est bon, on n'est pas pressé par le temps. Ouh, faut rester concentré, quand même. Hein. 19%, mais si t'es pas concentré, tu meurs. D'accord. Ça s'enchaîne bien. Non, 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 j'ai fait une erreur. J'aurais dû me laisser aller, c'est pas grave. Je meurs pas. Ah, oh, excellent! Ah, très très fort. Bah merci Hugo Maker pour ce niveau qui me rappelle de bons souvenirs. J'ai beaucoup apprécié les bruitages sonores. Et puis aussi, ça traçait bien avec les étoiles et tout. Très plaisant. On passe à l'espagnol qui propose les 12 travaux de Mario. Alors j'ai l'impression qu'on tombe pas mal sur des niveaux d'épreuves. On enchaîne en fait des petites épreuves de plateforme ou d'esquive. Qui sont sympathiques à faire. Hein. Et donc on va voir ce qui nous attend. Pas beaucoup de taux de réussite, j'ai remarqué. Et c'est sur du New Super Mario Bros. U. Ok, donc faut déjà faire un saut assez précis. On va y arriver. Oh, c'était quoi cette feinte là? Voyons. Attendez, j'ai vu la flamme. Hein. Bah dis donc, si ça commence comme ça, je me demande ce que c'est l'épreuve 12. Hein. Oh, bon, faut avoir le bon timing. Et t'as cru que t'allais m'avoir, hein? Moi, j'ai cru que t'allais m'avoir, en tout cas. Ok, c'était l'épreuve 1, ça. La vache! Ah, ah, ah! Tu nous aides avec ça. Ouh! Ah d'accord, d'accord, d'accord. Ok, ah d'accord, ok. Faut s'en débarrasser rapidement lui. Hein. Oh, quoique, non, si tu me fais ça, y a pas de souci, on peut rester potes. On peut rester potes, Kamek. Ok, c'était l'épreuve 2. Pas facile ça. Maintenant. C'était l'épreuve 3. On s'en sort bien. Ok. Ça demande beaucoup de concentration, hein. Je vous dis la vérité. Épreuve 4. Oula, on va pas traîner là. Oh, j'ai eu de la chance, j'avais pas vu que le plafond était si proche. Mince, je vais me débarrasser des bulles. C'est pas grave, c'est plus facile de sauter en étant petit. Allez, tombez tous. Ok, 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 attention, attention aux poissons. Je vais les avoir. Sinon, ils seront trop dangereux si je tombe. Épreuve 7, on est pas mal. On est pas mal, les gars. Je prends pas de risque. Hein. J'aurais pu passer, mais je prends pas de risque. Ok, c'est pas mal. Je vais m'accrocher au mur. Ils sont très dangereux, ces poissons. Hein. Ah, merci. Ça, c'est très sympathique. Hop là. À faire comme ça. Mince, je pensais pas que t'allais me toucher. J'ai perdu un champignon bêtement. Qui aurait sûrement été très utile. Vu que là, on approche des niveaux... des épreuves difficiles. Alors attends, il me faut un champignon en fait là, c'est ça? Peut-être moyen d'y arriver avec les... Ah d'accord, j'avais pas vu le bloc caché. C'est l'épreuve 9 ça, non? Ah, je suis obligé de me faire toucher. Je crois bien que je suis obligé de me faire toucher. Hein. Viens ici, toi. Touche-moi. Mince! Touchez-moi! Touchez-moi sans aucun sens ambigu, n'est-ce pas? On a quelle épreuve là? Épreuve 10. Ok, ok, ok. C'est parti pour l'épreuve 10. Pour l'instant, pas très dur. On va courir, ça passe. Alors, les épreuves sont assez étranges, hein.
J'ai l'impression que c'est pas forcément crescendo la difficulté, parce que celle-ci n'était pas très difficile. En tout cas, elle est pas finie, donc faut pas que je parle trop vite non plus. Faut être patient en fait, voilà. Pas se précipiter, parce que si on se précipite, c'est la défaite et j'ai pas envie de tout recommencer. Voilà, tout simplement. Donc là, je reste concentré, forcément. Et oui, il faut rester concentré. Très concentré. Très très concentré. Épreuve 11. Plus qu'une épreuve à finir. Sans compter celle-ci, bien sûr. Hop, on fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Et on fait comme ça. Et ensuite, on fait comme ça. 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 Oh, j'ai failli crever. Yes, du premier coup, ça fait plaisir. C'était pas mal ces épreuves. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des épreuves plus faciles que d'autres. Alors qu'on était censé, justement, je pense, monter dans la difficulté au fil des épreuves. En tout cas, c'était un bon challenge et moi j'aime les challenges. Merci de l'avoir partagé. On est parti avec Jason qui propose Climb Mario. Alors, au vu de la minimap, je vois très bien ce qu'on va faire. On va sauter sur des plateformes, il faut pas traîner. Et il y a pas mal de pièces à récupérer aussi, de ce que j'ai vu. Ah, on est... attention, attention. Est-ce que j'ai... Oh, déjà, tu dégages. Et voilà, j'ai grillé ton niveau. Alors, attends. Il faut rester vigilant. Super. Allez, c'est bon, on va arrêter de bouger. On y va à la loyale. Hein. Quand même, il faut pas abuser. Il est pas très dur, le niveau. Oula, par contre, tu donnes ça. Ça peut aider. Et du coup, je peux plus taper le bloc. C'est pas grave. Oh mince. Oh, c'est abusé ce qui s'est passé. Concrètement, j'ai lancé la carapace qui était censée toucher le Koopa. Sauf que j'ai, avec la fleur de feu, détruit la carapace qui n'a pas détruit le Koopa et qui du coup m'a touché. Je vais crever. Attention, je vais crever. J'ai trop sous-estimé ce niveau encore une fois. Désolé, je sous-estime trop vos niveaux les gars et je le paye cher. Ah, j'ai eu de la chance. Ah, j'ai eu beaucoup de chance là. Ouh la vache. D'accord. Je l'ai clairement sous-estimé. Vraiment désolé. Ok, c'est parfait. Faut dis donc. Ah bah c'est sur la minimap en fait. Moi je voyais concrètement des plateformes et on devait toujours faire les mêmes sauts et les pièces tracer la trajectoire de Mario. Mais j'avais pas vu qu'il y avait autant d'ennemis sur les plateformes. Le concept est hyper simple. Il y a peut-être des lacunes niveau esthétique, mais en tout cas le challenge était là et merci. On va finir avec Gérald qui propose The Good Day to Die 2. J'avais déjà fait le 1, je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est de l'extrême précision. Avec un peu de speedrun, parce que si on traîne, après on est tué par le temps. Bref, ça va prendre du temps, mais on est motivé. Il va certainement y avoir beaucoup d'ellipses. Hein. Ok, on va faire un premier jet, voir ce que ça donne. Et... Ah, ça me rappelle un petit peu. Waouh, eh, je l'ai même pas fait, hein, mais c'est un truc de ouf ce que je viens de faire. On était parti en speedrun dès le début. Mince, comment j'ai fait pour refaire le wall jump alors? On recommence. J'ai réussi à faire le wall jump. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, on fait juste des spins. Eh oui, mais il faut connaître. Ok, donc là, il faudra que je fasse un spin, ensuite un wall jump. Très bien. Hop. Parfait. Waouh, comment j'ai fait? Non, et là, il fallait faire un grand saut. Ça va être comme ça le niveau, hein. Ça va être tout le temps comme ça. Grand saut. Ok. Ok, c'est pas mal. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mince, la même erreur. Faut que je saute plus loin. Là, on va loin. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Qu'est-ce que j'ai glandé? Ok, d'accord. Mais presque. Oh, 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 oh.
Ok, 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 ok. Normalement, il n'y a pas de pirouette. C'est tout est bien calculé. Ah Ah là là, c'est trop dommage que j'ai raté le saut parce que j'aurais peut-être pu tenter le record du monde. Bon, on va se contenter de ce score-là. Excellent niveau, encore une fois. Hein. Pour ceux qui aiment le challenge, la plateforme et la précision, c'est jouissif. On va retenter, record du monde, désolé. Suspense. Suspense. Je sais pas du tout. Il y avait moyen de gagner quelques dixièmes à certains endroits. Mais on peut y croire. Roulement de tambour. Allez! Voilà, ça, ça fait plaisir. Là, je peux vous quitter avec le sourire. Merci Gérald pour ce niveau. Vraiment un régal pour ceux qui aiment le challenge, la plateforme et la précision. Ce qui est mon cas. Donc parfait, merci de l'avoir partagé. Donc je vais vous laisser ici. Vous aurez la présentation d'un de mes niveaux juste après si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao. Allez, on passe à la présentation d'un de mes niveaux. Alors la dernière fois, je vous avais présenté Show Me Your Moves. D'ailleurs, félicitations à Gérald qui a chopé le record en 1 minute 5. C'est un niveau où il fallait utiliser à peu près tous les mouvements de Mario, wall jump, spin, triple saut, etc., pirouette. Et maintenant, on va passer à un niveau musical. Alors c'est un niveau qui a été créé quand déjà? Est-ce qu'il y a moyen de voir la date? Elle est où la date déjà? Oui, c'est là, voilà. 21 septembre, donc assez tôt. C'est juste après que j'ai découvert au hasard des niveaux musicaux, je me suis dit tiens je vais essayer. Et j'ai testé sur la musique de Zelda Lost Woods. C'est le niveau qui a le plus de succès clairement. Hein. C'est un peu la facilité d'avoir des étoiles avec ce niveau, mais c'était vraiment pour tester. Et donc, pas de commentaires, je vais tout simplement vous laisser écouter. C'est pas trop nul. C'était mon tout premier et mon dernier niveau musical. C'est assez laborieux à construire parce qu'il faut avoir le bon timing. Faut placer les ennemis qui rebondissent sur les blocs à une hauteur spécifique. Les blocs aussi, il faut les mettre à des endroits spécifiques pour que la note soit bonne. Enfin bref, ça prend du temps. C'était une expérience à tester. J'espère que ça vous a plu et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.